Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur The Last of Us Part 2. Et rappelez-vous, nous étions avec Abby en train de nous diriger vers l'aquarium qui ne devrait plus être très loin, ça devrait être par là, j'imagine. Vu qu'on a la grande roue, hop, c'est très très sombre. Alors je dois bien avouer que là, moi, on est en pleine fin d'après-midi, il fait plein soleil dans le salon, du coup, j'y vois pas grand-chose. Alors certes, j'aurais pu fermer les volets, mais c'est pas très très grave, c'est un détail. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours aussi enthousiaste à l'idée de continuer l'histoire à mes côtés. Moi, c'est le cas. Ok, alors, faut que je me remette vite fait dans le bain. Ok, j'ai juste un carreau d'arbalète, j'ai pas beaucoup de balles. C'est assez chaud. Ah, on va garder le silencieux. Pas faire de bêtises. Je sais pas si on a moyen de se faire repérer dans le coin. Dans le doute. On va rester un peu sur nos gardes. Voilà. Il y avait un petit reflet sur le bus, mais je pense que c'était pas grand-chose en soi. Je pense pas que c'était quelque chose à ramasser particulièrement. Bon, bah évidemment, vous savez ce qui va se passer, hein. On va découvrir la scène là que Ellie, Tommy et Jesse nous ont laissée. Ouais. Mais à mon avis, on va avoir un flashback. Parce que ça m'étonnerait qu'on assiste au massacre de l'aquarium, enfin à ce qui reste, et que directement après on soit téléporté en mode au théâtre, tu vois. Ça m'étonnerait vraiment. Putain, par contre, elle tombe de haut à chaque fois. Est-ce que c'est une métaphore pour dire qu'on va tomber de haut? Ou est-ce qu'il y avait juste un autre chemin plus tranquille? Y ne pense pas. Ok. On n'a pas grand-chose à ramasser ici, c'est surprenant. C'est peut-être moi qui rate des choses, hein. Ça, c'est fort possible. Ne m'en dites pas plus. Ok, je suis allé modifier quelques options, notamment pour les sous-titres, parce que j'ai remarqué que... Oui, je remarque les choses un petit peu tard, mais souvent on a les sous-titres qui sont relativement bas, et pour ceux qui sont sur smartphone, j'avoue que ça peut vous handicaper si en plus vous n'avez pas d'écouteurs sur vous. Ça risque d'être un peu chaud. Qu'est-ce qu'on a là? Ça fait longtemps qu'on n'a plus de choses qui sont cachées dans les abribus. Avant, il y avait des cartes et tout ça. Et puis, de moins en moins, en fait. Après, j'avoue que les collectifs sont plutôt bien cachés. Je m'amuse à regarder les vidéos d'autres youtubeurs qui sont à peu près au même niveau que moi dans l'histoire. Comme ça me permet de voir tout ce que j'ai raté. Et je suis en mode, ah ouais, c'est vrai. J'ai vraiment été une bille sur ce coup. Ah, peut-être qu'ici. Non? Putain, j'étais habitué à... entre guillemets, plus ouvert. Par où on va passer là? Parce que... Certes, c'est un peu plus ouvert, mais on peut rien ouvrir. Donc, quelque part, tu vois. C'est très étrange, c'est genre... On te donne une certaine liberté. Mais en même temps... Eh ben, tu peux rien y faire pour le coup. C'est assez étrange. Hop. Ce petit mur-là, ça me fait penser au chalet. Voilà. Petit chalet, on n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est? Un lamantin? Bien. Il y avait un dauphin dans le coin tout à l'heure. Bon, j'imagine qu'on doit juste rentrer par la porte principale. Le waterfront. Seattle waterfront. Ouais, c'est le bord de mer, quoi. Owen! Owen! Owen, réponds! Il doit être quelque part à l'arrière. Je peux passer ici, moi, ou pas? À l'arrière! Ah ouais, donc c'était bien dans cette direction. Owen. Là, je me demande ce qu'il est en train de faire. Ouh là là! Je me demande vraiment. Bon, bah, on doit passer par-dessus la barrière. Y a pas de mystère là-dessus. Là-bas, il n'y a rien. Ça doit se passer ici. On va voir. Non. Bon, bah là. Oh, on va finir par rentrer, hein. D'accord. C'est pour générer quelque chose. Comment ça? Ah, tu veux que je lance? Oh là, ça m'a l'air bien compliqué tout ça.
Ok, il suffit de lancer la corde ici. Ouais, ça va pas la casser. Il y aura pas une petite bouteille parce que... Ah, j'en ai déjà une sur moi, ok. Parce que j'allais dire, j'ai pas envie d'utiliser une munition rien que pour ça. Comment on vise en fait? Parce que là, je suis à l'aveuglette. Oh! Merci. Et ensuite? Ah, d'accord, ça veut dire que c'est pas bon. Bah ouais, mais là, c'est... Comment tu veux que je sache où lancer? C'est impossible. Ça peut durer très longtemps, à mon avis. Un petit peu plus par là. Comme ça. Non. Ok. C'est amusant, en tout cas, le jeu vidéo de nos jours. Waouh. Ça peut être très long, hein. Presque. Bon, on a dit que c'était un peu sur le côté. Non. Bah, c'est cool. J'ai plus rien à lancer. Ah si, c'est bon, elles réapparaissent. Ok. J'ai peut-être manqué quelque chose alors, hein. Peut-être que là-dessus... Non. Oui, j'ai gâché une balle. Et alors? Attends, mais si je lance à travers ça, c'est pas bon non plus. Mais c'est juste pas amusant ce jeu en fait. C'est hyper nul. Parce que même si je fais ça, regarde bien. Mais ça passe pas. Ok, bah je vais chercher l'astuce parce que j'avoue que ça me saoule un peu. Ok, de retour. Ok, bah je viens de chercher l'astuce. J'y aurais jamais pensé en fait. Fallait pas lancer tout droit. Mais bien par là. Bon, là t'abuses quand même. Là franchement, t'abuses ma sœur. Et voilà, et ensuite on ressort. En fait, ce qui est terrible, c'est que genre... Quand tu sais pas, tu sais pas. Mais une fois qu'on te met Qu'est-ce que la je suis obligée solution, de faire pour toi? une fois qu'on te met la solution devant les yeux, t'es en mode ah ouais, c'est logique en fait. Et ouais, parce que moi, tu vois, j'essaie de viser de là-bas. Bon bah, visiblement, j'ai réussi à péter le truc. Bon, c'est déjà ça. Ça me réconforte un petit peu de savoir que mon lancer était pas si mauvais au final. Allez, on continue. Je te préviens, t'as pas intérêt à râler pour la casse. On est où? Ah, on est déjà dans la cuisine. Ah ouais, en fait, on est tout proche. Ok. Bon, ton sac est ici. C'est du sang, ça? C'est du sang, effectivement, ouais. En fait, ça doit être... Là, je commence à comprendre un petit peu, ça doit être vachement difficile pour Abby, genre, ce sentiment d'arriver à chaque fois trop tard. Parce que là, ça va se répéter comme avec son père. Eh hey Owen! Ça doit être ici, hein. Owen! Putain de merde. Ok, tout semble indiquer qu'il faut se jeter dans la gueule du shark. Parce que ici c'est pas le bon endroit. C'était là? Je me souviens pas moi. Il y a peut-être d'autres trucs à fouiller auparavant. Bon, c'est pas grave, on y va. Évidemment. Ok. Non, bah alors je comprends pas trop. En fait, je pensais qu'on allait arriver. Après Ellie. Peut-être qu'on est là avant au final. Ça a l'air d'être allumé. Owen?
C'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Et... ce mec-là, putain. Je pouvais pas. Évidemment, Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre. Qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape, et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel ? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi ? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Non, rien. Désolé d'être adulte. Tu devrais essayer. Ah oui, comment je fais ça, Abby? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille. Les massacrer. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby.
Ok, donc bah vous en êtes douté, hein, j'ai coupé la dernière cinématique pour des raisons d'accessibilité à YouTube, hein, bien entendu. Si vous voulez, vous pouvez la retrouver n'importe où, hein, vous cliquez The Last of Us, Abby et Owen, vous n'aurez aucun mal. Par contre, c'est très étrange pourquoi on revient ici, encore une fois. Peut-être que c'est dans ses cauchemars. Elle revit la scène en boucle, sûrement. Ok, bah vous savez quoi, on va s'arrêter ici sur cette belle vue. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un petit peu court, certes, je comprends, mais ne vous inquiétez pas. En théorie, si je suis bien mon rythme prévu, normalement vous avez au moins plus de 2 vidéos par semaine. Il me semble que vous en avez une le... c'est quoi déjà? Lundi, mercredi, peut-être lundi, mardi. Jeudi, vendredi, je sais plus, mais en tout cas vous en avez plus que 2 par semaine et ça vous permettra de suivre un peu plus facilement. Certes, les épisodes seront plus courts, mais il faudra s'y habituer jusqu'à la fin du jeu. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous en activant la cloche surtout pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao!